Le même. Nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer, qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, et dans les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Ouais. Parce que ça veut dire que nous avons... Qu'on est libre. Peu à peu... Il faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on... Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessins pour pas choquer les musulmans... C'est de l'autocensure. Pour moi, c'est la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression... Pour moi, hein, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... Tu peux... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire, tu comprends? C'est la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Non, c'est la liberté de... Alors... Vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie, c'est mon travail. Mais vous referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce mais que dans je veux ce dire pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer. Ouais. Il faisait un Noir, puis à la fin, il faisait un singe, en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. Quelqu'un qui a toute sa famille qui a été exterminée dans un camp de concentration et qui voit quelqu'un à la télé qui dit « Israël ». Vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas. Mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. On avait reçu Alain Soral. Mais qu'on recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on peut pas le recevoir. Et vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le Molla Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Ouais. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, moi, je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle, et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience, c'est contre ma dignité. Je ne peux pas. J'ai une dignité, j'ai une conscience. Est-ce que vous êtes prêts là, avant... Est-ce que vous êtes prêts là? Quelles excuses êtes-vous prêts à faire là? Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on... Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à ne pas faire de dessins pour ne pas choquer les musulmans... C'est de l'autocensure. Pour moi, c'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté... Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce mais que je veux dire? France, c'est... D'accord. Mais si moi, j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. On avait reçu Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Par un néerlandais musulman, même... Tous deux juifs... Arrêtez, je ne vais pas vous parler de quelqu'un, de dire qu'il est juif ou pas juif, ou machin, parce que ça va finir comme Le Pen. Alors pas de poids de mesure, la liberté pour tout le monde. C'est-à-dire? La liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieudonné qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc. Tous ces DVD ne sont plus dans les pactes, on l'empêche de venir, on l'empêche médiatiquement, on ne le voit plus, alors que lui c'est un comique. Il y a eu la loi Taubira. Oui. D'accord. Il y a eu plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme,
Et moi, je fais un appel aujourd'hui de faire une loi contre l'islamophobie.